Ismaël Bennacer, l'excellente nouvelle. Lors d'une conférence de presse tenue à Milanello à la veille du match contre la Lazio, l'entraîneur du Milan AC a livré des informations encourageantes concernant la situation d'Ismaël Bennacer. Stefano Pioli s'est exprimé sur le cas de l'international algérien, actuellement en convalescence. Je pense que nous le reverrons d'ici la mi-octobre, mais seulement pour reprendre doucement l'entraînement. Il est difficile de déterminer une date précise pour son retour, a-t-il assuré. Ces nouvelles laissent entrevoir la possibilité d'un retour à la compétition du milieu de terrain algérien avant la fin de la première moitié de la saison. Cela augmente ses chances de participer à la Coupe d'Afrique des Nations 2024 avec l'équipe nationale d'Algérie, une perspective qui ravira sans aucun doute les fans et les responsables de la Fédération algérienne de football. Par ailleurs, Pioli a également abordé la situation de Yacine Adli, un joueur qui suscite l'intérêt du sélectionneur national algérien, Jamel Belmadi. L'entraîneur milanais a salué les qualités de patience et de résilience mentale de Franco-Algérien, soulignant qu'il n'avait pas eu beaucoup d'occasions de jouer jusqu'à présent. Le coach milanais a expliqué « Nous savons qu'il ne peut pas encore être parfait à ce poste, mais avec sa détermination, nous pouvons accomplir un travail remarquable. Sa conviction de gagner du temps de jeu est un signe positif pour un joueur de son niveau. »